Bonjour à tous, merci d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire consacré au programme au Global Executive Master in Management, majeur stratégique management, notre nouveau master MUST. L'objectif de cette session est de vous faire découvrir les bénéfices de cette formation et diplômante qui permet à nos participants de renforcer leur leadership et leur capacité entrepreneuriale. Cet événement, c'est aussi l'occasion de vous présenter en avant-première les nouvelles évolutions du programme. Alors, je suis Christine Colongue, conseillère formation pour ce master. Pour animer cette présentation, nous avons avec nous Christophe Rogg, qui est le directeur académique du master. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous deux alumni du programme, Marc Nourry et Didier Lenormand, qui sont là pour témoigner de leur expérience et pour répondre à vos questions. Nous avons aussi avec nous Angela Braga, la programme manager de ce programme, qui accompagne les participants tout au long de leur cursus. Donc voilà pour les présentations. Nous allons commencer par une présentation de l'exécutive d'HEC Executive Education. Tout d'abord avec un peu d'histoire. Fondée en 1881 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, HEC est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses grandes écoles de commerce françaises. La mission d'HEC Paris est double, former une diversité de profils à haut potentiel rigoureusement sélectionnés et participer activement à la production de nouveaux savoirs en management. Chaque année, le Financial Times publie un classement des meilleures institutions en management et HEC est parmi les leaders mondiaux de l'executive education. Ce qui fait l'excellence, ce qui fait la renommée d'HEC, c'est aussi l'excellence de ses professeurs. Le corps professoral est au cœur de la création et de la diffusion des savoirs à HEC. Forte de plus d'une centaine d'enseignants-chercheurs, la faculté mène des travaux de recherche internationalement reconnus dans toutes les grandes disciplines du management. HEC, c'est aussi 60 000 diplômés dans le monde. Alors là, nous avons un focus sur les rankings de l'Executive Education via le Financial Times, Fortune Global, The Economist, et notamment sur le réseau de l'Executive Community qui comporte plus de 7000 membres et qui a été reconnu par The Economist comme le meilleur réseau d'alumni au monde. Alors, voilà, maintenant nous allons rentrer plus en détail sur notre nouveau master, le Global Executive Master in Management, qui est un programme diplômant de type master spécialisé. Alors, ce master s'adresse à des dirigeants et des managers qui souhaitent avoir un rôle stratégique dans leur entreprise. Dans cet environnement post-Covid, les entreprises ont besoin de dirigeants autonomes avec une vision stratégique intégrant l'intelligence collective, l'innovation et l'esprit entrepreneurial. Ce programme a l'avantage de vous permettre de personnaliser votre parcours parmi un choix de 6 majeurs dont l'objectif est de développer une dynamique de création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles l'entreprise interagit. Alors, pourquoi faire un Global Executive Master in Management? C'est tout d'abord un diplôme en management accrédité par la Conférence des grandes écoles à destination de cadres, dirigeants, responsables fonctionnels ou opérationnels, décidés à enrichir leur expertise et à renforcer leur expérience managériale. Chaque année, HEC forme plus de 8000 managers du monde entier.
Ce sont des formations adaptées aux contraintes professionnelles des participants au rythme d'à peu près une semaine par mois. Les participants peuvent continuer à travailler tout en suivant ce programme. Alors, le fait de faire un master spécialisé à HEC n'est pas anodin. C'est une réflexion mûrement réfléchie à un moment de sa carrière. Les participants qui sont là pour prendre du recul, de la hauteur et pour accéder à de nouvelles fonctions, pour réfléchir à de nouveaux projets au sein de leur entreprise ou à titre personnel. Il y a aussi la thèse professionnelle qui est vraiment un point fort de la pédagogie. Les participants vont pouvoir travailler pendant un an et demi sur un projet qu'ils auront défini au sein de leur entreprise ou sur un projet personnel et seront accompagnés pour cela par un professeur d'HEC qui sera leur directeur de thèse et qui va les accompagner jusqu'à la soutenance. Voilà. Et pour finir, quand vous intégrez le master, un master spécialisé, quand vous intégrez GEM, vous accédez directement au réseau international des alumni qui comporte plus de 60 000 diplômés dans le monde. Voilà. Alors, les objectifs pour les participants. Alors, tout d'abord, monter en puissance pour accéder à de nouvelles fonctions managériales et booster votre carrière. Valider vos acquis, appliquer sur le terrain et acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux outils à mettre en place dans vos unités. Développer vos aptitudes de dirigeant par une approche transversale et généraliste de l'ensemble de votre business unit. Et améliorer votre leadership et vos compétences et agir sur vos réseaux de partenaires internes et externes. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation du Global Executive Master en général. Je laisse la parole à Christopher Rock qui va vous rentrer plus en détail dans le programme. Voilà. Bonjour, Christopher. Ouais, merci Christine. Bonjour, donc Christopher Rock, je suis donc le directeur académique de GEM, la Major Strategic Management qu'on va voir ensemble. Donc je suis professeur à HEC, je suis par ailleurs chef d'entreprise, donc on a la chance avec nous d'avoir Christine et puis Marc et Didier qui sont deux anciens du MUST. Donc, je vais expliquer un peu comment GEM s'inscrit dans l'affiliation de MUST. Je ne sais pas, Marc, Didier, si vous voulez dire juste un mot avant qu'on commence la présentation de GEM, les majeurs, et puis après de MUST, hein, puisque vous étiez là il y a un certain temps à la place de nos participants. Bonjour, je m'appelle Marc Nourry. Je suis diplômé de ce programme depuis 3 ans bientôt. Donc, c'est pas si ancien et en même temps, le temps passe. Pour moi, c'était une belle expérience et ça m'a permis de faire évoluer ma vision des choses et d'évoluer un petit peu dans mon entreprise. Donc là, je travaille à Orléans pour le groupe Honda, ce qui était déjà le cas avant. Moi, personnellement, ça m'a permis de voir les choses différemment et de pivoter, mais en restant dans la même structure, ce qui pour le moment me va bien. Et j'aurai le plaisir de vous partager mon ressenti au fil de la présentation. Oui, mais Didier Lenormand, donc alumni 2020, voilà. Un programme qui m'a permis également de prendre de la hauteur sur les problématiques. Donc une présence au COMEX de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et également de pouvoir accéder à un poste supérieur, donc un programme très riche et qui ouvre les perspectives professionnelles. Voilà, on en est la preuve. Merci. Angela, tu veux dire un mot ? Oui, je veux bien. Bonjour, donc Angela Braga, je suis programme manager sur le programme GEM. Je travaille avec Christopher Rogge. Et une des particularités de mon rôle, c'est de vous accompagner du premier jour de votre arrivée sur le campus jusqu'à la journée de diplomation qui a lieu généralement un an et demi après votre présentiel et votre soutenance de thèse.
Voilà, je suis votre contact et je suis là pour vous accompagner et faire en sorte que tout votre cursus se passe au mieux. Ok, merci. Alors, il y a déjà des questions, n'hésitez pas avec les questions. Utilisez aussi le chat hein, pour dire un peu ce que vous faites et ce que vous recherchez. Comme ça, ça permet pour nous d'adapter un peu notre présentation à vos questions. Donc, on a déjà une question de Tito, je reviendrai hein, dessus sur la différence entre GEM et MBA. Donc ça, on aura le temps de revenir dessus. Mais n'hésitez pas hein, à utiliser les questions-réponses pour vous présenter, dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous cherchez dans ce type de programme. Encore une fois, ça nous permet d'adapter hein, notre présentation à vos attentes. Alors, les objectifs pédagogiques. Alors, c'est important pour moi, puisqu'en étant directeur académique, il faut que ces objectifs pédagogiques, ce soit la résultante du voyage pédagogique que vous ferez avec nous entre l'admission, le module et la diplomation. Donc, c'est vraiment les objectifs, c'est ce qu'on s'engage à délivrer à l'issue du programme. Alors ça, ce sont les objectifs généraux de GEM, et je reviendrai plus particulièrement sur la majeure après Strategic Management et sa spécificité. Alors, de façon générale, il y a un besoin fort à travers ce programme d'avoir une approche transversale de la direction d'entreprise. Donc, le GEM, on verra, il y a des gens qui vont plutôt être dans une logique de direction générale, d'autres peut-être plus dans une logique de direction financière, d'autres direction opérationnelle, direction régionale, mais tous, on va être dans une logique de comité de direction, comité exécutif, ça dépend après des types d'entreprises. Or, pour pouvoir transformer l'entreprise et agir sur un environnement qui est très volatile, avec beaucoup d'innovation, il faut avoir une vision transverse. La transversalité, c'est la base pour nous permettre d'être responsables et agir. Et on verra dans le programme, même si vous venez avec une expertise bien établie, qu'elle soit en marketing, je parle de marketing, c'était mon expertise de base, commerciale, on va commencer par voir comment on crée de la valeur sur l'ensemble des dimensions. Ce qui fait que dans un comité de direction, même si je suis opérationnel, lorsque le directeur financier parle, je comprends ce qu'il veut dire et comment je crée de la valeur financière. Si je suis directeur opérationnel et supply chain, je comprends la création de valeur que je veux apporter à mes différents segments de clientèle. Donc il faut qu'on ait une vision transverse qui va nous permettre agilité et responsabilité. Deuxième objectif, c'est d'améliorer son leadership. Son leadership, puisqu'on est dans un programme dirigeant, donc il va falloir regarder évidemment pour soi quel va être l'acquis et ce qu'on va avoir de ce programme pour soi, mais également pour les autres, puisque si on est dirigeant, évidemment, on doit créer de la valeur auprès de nos collaborateurs et donc on doit avoir un leadership pour nous et évidemment pour les autres. Donc, on va travailler sur ce leadership, comment par nos actions, on va créer de la valeur autour de nous, nos collaborateurs, nos clients, nos actionnaires et l'ensemble des parties prenantes, comme Christine l'a évoqué en introduction. Donc ça, on va travailler pas mal sur vous et sur votre leadership, et là, quels que soient les programmes. Enfin, on va avoir une approche, évidemment, de transformation des business models, alors que ce soit dans une majeure comme Change and Sustainability, où le développement durable est vraiment à la base de la majeure, mais que ce soit lié à l'innovation, que ce soit lié à la globalisation, quels que soient les vecteurs de transformation, il faut qu'on fasse évoluer nos business models sur cette partie financière, sur sa partie commerciale, sur sa partie équation de valeur, architecture de valeur ou proposition de valeur. Donc, c'est les trois objectifs pédagogiques qui vont être communs à chaque majeur. Une approche transversale, un aspect leadership, c'est-à-dire comment soi-même on va impacter notre environnement et puis comment on va transformer nos business models pour les rendre plus innovants et adaptés aux évolutions. Alors, il y a six majeurs. Le GEM, vous rentrez par une majeure, c'est-à-dire que pour rentrer dans le programme, il faut choisir quelle est votre majeure. Alors, ce n'est pas comme une carte de restaurant où en disant, bon, ben, je voudrais plutôt de la viande, du poisson ou autre. Non, la majeure, c'est essayer de faire en sorte, dans une discussion que vous aurez avec le directeur académique de la majeure, de savoir quel est votre projet personnel et professionnel et comment on peut vous aider par rapport à votre projet. On est dans un programme exécutif à HEC, on n'est pas dans un programme pré-expérience. L'idée, ce n'est pas de vous donner des techniques et vous validez que vous avez ces techniques pour après aller sur le marché du travail en disant ben voilà, j'ai ces techniques, je suis validé, tamponné par HEC. Ce n'est pas ça, l'exécutif, c'est vous avez un projet personnel, professionnel et on doit vous armer pour vous aider à réaliser ce projet.
hein, avec le baseline d'HEC qui apprendra à oser. Donc, évidemment, ce projet doit avoir une certaine ambition. Et donc, pour savoir quel type de projet, on va regarder, discuter avec vous, et ça, c'est Christine hein, qui va le faire, hein, et ses collègues, vous recevoir et essayer de voir quelles sont la majeure qui vous correspond le mieux par rapport à votre projet professionnel. Alors, on en a 6. Strategic Management, je l'ai mis en rouge, non pas parce qu'elle est plus importante, mais c'est parce que c'est celle qu'on présente aujourd'hui. Et après, vous aurez GEM, Marketing Sales and Business Development, qui est plutôt sur une notion de croissance. Et là, vous aurez le directeur académique, mon alter ego, Laurent Morani, qui fera une présentation par rapport à ça. Vous allez avoir GEM Finance, où on va être plutôt sur la création, enfin, plutôt sur un focus sur la valeur, la value que l'on crée, avec à la fois la performance, le business performance management et la finance d'entreprise. Et donc là, vous aurez Franck Cédard qui vous présentera également l'intérêt de la majeure. On va avoir une approche change and sustainability, qui est la conduite du changement dans les organisations qui sont en transformation importante, et évidemment la question du développement durable, en particulier de la transition énergétique et capitale dans énormément d'organisations. Donc, c'est comment on réussit ce changement. La question, hein, évidemment, n'est plus pourquoi on change, ça, on est à peu près tous convaincus de pourquoi on change, c'est comment on le fait, hein, comment on embarque nos équipes, comment on gère les conséquences sociales de ces changements, les nécessaires innovations qu'il faut mettre dans les organisations pour accompagner ce changement. On a une cinquième majeure qui est lifelong learning. Alors, vous verrez, je vais vous parler un peu chinois au démarrage, vous avez un master, vous avez également des certificats. Donc, il y a des possibilités de capitaliser, c'est-à-dire de commencer par un certificat qui fait 12 jours et puis après d'aller sur un master. Et donc, aller dans un programme GEM, c'est une décision importante pour vous, c'est investir sur un capital humain qui vous est cher, le vôtre. C'est un élément pour entrer dans ce type de programme, c'est d'abord se faire confiance, c'est-à-dire de se dire, il y a un investissement important, c'est moi. Et comment j'investis dessus. Et donc, le lifelong learning, c'est un constat, c'est qu'on est dans un monde qui se transforme de plus en plus vite, de façon de plus en plus drastique également, et que ce qu'on a acquis, lorsqu'on est sorti de l'université, d'école, de notre formation, évidemment, le monde a changé et qu'on a besoin de nouveau d'apprendre par rapport, évidemment, aux professeurs, hein, au corps académique, mais également, et Marc et Didier vous en parleront, avec les autres participants, qui eux-mêmes sont dans les entreprises, qui eux-mêmes ont des transformations et qui vont partager cette expérience ensemble et donc qui va amener à s'enrichir hein, de l'ensemble de ce partage d'expérience. Et puis, il y a un dernier majeur qui est un peu particulier, qui est financé avec l'AFD, qui est là très allié sur le continent, très centré sur le continent africain, qui est Sustainable Leadership in Africa, qui est un programme qui est sur 5 pays en Afrique. Sachant que le développement avec l'Afrique est important pour HEC, puisque la majeure GEM Strategic Management est dispensée à Paris, mais elle est également dispensée dans son intégralité à Abidjan. Donc, on a un aspect important, puisque c'est évidemment un continent qui est en forte croissance et en forte transformation, sur lequel HEC va être partie prenante de ces changements. Donc, le programme GEM, c'est quoi? C'est d'abord choisir sa majeure. Donc là, encore une fois, on va être sur Strategic Management. Je vais vous expliquer un peu ce qu'est la majeure et Marc et Didier vont vous expliquer comment ils l'ont vécu à travers le MUST. On commence par un tronc commun qui est sur la transversalité. C'est-à-dire que tous les majeurs vont avoir un certificat commun de 3 modules, donc en totalité de 12 jours, pour pouvoir être actif dans un comité de direction. C'est-à-dire de comprendre la partie financière, même si ce n'est pas votre domaine d'expertise initiale, de comprendre la partie commerciale et la création de valeur auprès des clients, même si ce n'est pas également votre expertise initiale, de comprendre les problématiques de supply chain, les problématiques opérationnelles, les problématiques RH, évidemment, le capital humain qui est capital. Et donc, ça, c'est la transversalité, la base commune. Et on fera des équipes, on fait des équipes sur lesquelles on va allier les compétences, et on va travailler beaucoup, ça c'est dans l'ADN d'HEC, sur des approches par cas, vous aurez des cas, et donc collectivement, vous devrez les traiter en équipe. Une fois qu'il y a ce tronc commun qui est la garantie, on dira, d'une transversalité, on va aller sur les majeurs, et chaque majeur est constitué de 2 certificats exécutifs qui sont orchestrés par rapport à une thématique. Et puis le dernier élément de ce programme, c'est une thèse professionnelle, qui est extrêmement importante, je reviendrai dessus. Une thèse professionnelle, c'est 2 choses. C'est de faire des recherches académiques et de benchmarks sur une problématique qui vous intéresse à titre personnel
à titre professionnel ou pour votre entreprise, et donc l'appliquer à votre propre projet. On reviendra dessus, c'est un élément qui a beaucoup de valeur. Alors, j'ai eu quelqu'un qui a écouté le programme, on va revenir dessus, mais il faut que la thèse professionnelle, si vous achetez un objet comme une thèse professionnelle, ça doit valoir le coût du programme. Honnêtement, ça la vaut en règle générale. Alors ça, c'est les six majeures telles qu'elles sont dessinées, que j'ai évoquées, la majeure Strategic Management qu'on va évoquer aujourd'hui, la majeure Marketing Sales and Business Development, la majeure Finance, Lifelong Learning, Change and Sustainability, Sustainable. Une partie commune pour l'ensemble des majeures, et après, des certificats qui sont dédiés à chaque majeure. D'accord ? Alors, on va faire un focus sur la majeure Strategic Management, qu'on appelle nous VMUST parce que c'est le prolongement d'un programme qui a fait ses preuves, qui s'appelle le MUST, qui est Management d'unités stratégiques. Alors, l'équipe pédagogique, je suis coordinateur académique de GEM et je suis également le directeur académique de la majeure. On a Claudine qui est exécutive directeur et Angela qui est avec nous, qui est responsable du programme, donc du début jusqu'à la diplomation de l'ensemble de la promotion. Alors, l'orientation de la majeure GM Strategic Management, elle est très orientée business. Business unit, c'est comment je dirige une entreprise, une business unit. D'accord ? Donc, j'avais des questions par rapport au MBA. On n'est pas au niveau corporate, on est vraiment au niveau business. D'accord ? On est plus dans le business que dans la holding. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'on va regarder, par exemple, la stratégie, on va regarder non pas la stratégie corporate, c'est-à-dire dans quelle activité il faut investir, qu'est-ce qu'il faut vendre comme entreprise, qu'est-ce qu'il faut acheter, mais on va se retrouver, donc, quelle est la stratégie de mon business, de mon entreprise, quelle doit être ma proposition de valeur, mon architecture de valeur et mon équation de valeur. Donc, on va avoir une orientation très orientée business. Et donc, dans la totalité de la majeure, on a un parti pris pédagogique. On va à chaque fois vous traiter comme un dirigeant d'une entreprise, quelle que soit sa taille. On peut avoir dans un amphi, Didier et Marc le partageront, des personnes travaillant dans des groupes de plusieurs dizaines de milliers de personnes, comme des patrons de PME ou de petites ETI. D'accord ? Mais on est vraiment dans une logique dirigeant. Donc, c'est vous accompagner en tant que manager et cadre dirigeant en charge d'une business unit. Deuxième chose, c'est consolider vos aptitudes et votre leadership par une approche transverse et généraliste du management. Donc, ça, on retrouve l'approche globale de GEM. Améliorer la création de valeur en tant que dirigeant de votre unité stratégique. Renforcer vos facultés de travailler en équipe. Alors ça, on le fera non seulement au niveau théorique, mais au niveau pratique, puisque vous allez travailler beaucoup en études de cas, et donc vous allez travailler beaucoup en équipe, entre vous. Et vous verrez qu'il y a un élément extrêmement riche. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont riches dans le travail en équipe, évidemment, c'est le partage. Mais vous venez tous, la moyenne d'âge d'un programme exécutif, c'est 39 ans, donc ça veut dire qu'il y a des plus jeunes qui sont proches de 30 ans, il y a des plus âgés qui sont proches de 50, voire au-delà, donc c'est une moyenne. Dès qu'on a une expérience, souvent, on a une expérience dans son secteur d'activité, ce qui nous permet d'aller plus vite. Mais là, vous allez rencontrer des gens qui ne sont probablement pas dans votre secteur d'activité. Et ça va être une richesse de partager ces expériences entre vous. Donc, ce travail en équipe, vous verrez, est un élément assez fondamental de notre pédagogie. Je ne sais pas, Marc, Didier, si vous voulez en dire un mot, parce que vous avez travaillé pas mal en équipe, dans les groupes de travail, qu'est-ce que vous en avez Extrêmement enrichissant, en effet, on s'aperçoit très rapidement que notre expérience est enrichissante, évidemment, pour le groupe, mais surtout qu'on s'enrichit de celle des autres, parce qu'on a une approche avec, 10, 15 ans d'activité professionnelle. Donc, chacun dans nos secteurs, dans notre bulle, on se rend compte que ces travaux en groupe permettent d'échanger sur des gens qui ne sont pas de nos horizons. Moi, je me rappelle avoir échangé avec quelqu'un qui est tantôt avocat, tantôt ingénieur, tantôt dans l'enseignement, certains dans la finance, d'autres dans les ressources humaines, dans le marketing. On a des fonctions différentes dans l'entreprise et le fait et des structures de taille différentes également, parfois dans des grands groupes, parfois dans des PME, parfois en transition manager professionnelle. Donc, c'est vraiment très enrichissant de pouvoir partager avec des gens qui ont un esprit différent, une expérience différente. Et voilà.
Et puis moi, ce que j'ai trouvé très enrichissant aussi, c'est la résonance nouvelle que l'on peut avoir en fréquentant des nouvelles personnes de tout un tas de milieux différents par rapport à… Bon, dans mon cas personnel, j'ai une certaine ancienneté dans mon entreprise et donc, même s'il y a une diversité interne, il n'empêche qu'il y a une sorte de formatage ou autre qui fait qu'au final… On manque peut-être un peu de reflets plus extérieurs et plus globaux pour avoir conscience de ce que l'on est ou de ce que l'on peut faire et de repartir un peu sur de nouvelles bases. Donc, de ce point de vue-là, les échanges et la diversité du groupe ont été très, très, très riches pour moi, pour avoir justement un peu une nouvelle mise en perspective de ma propre situation. Et puis, dernier point hein, par rapport à la diversité, je vois Serge qui dit 46 ans, je ne suis pas trop vieux. Bon, c'est jeune puisque je suis plus âgé que vous, donc une personne plus jeune que moi est jeune de toute façon. Non, il y a aussi également l'aspect générationnel, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir non seulement une diversité en termes d'activité, de secteur, mais on va avoir des Benjamins qui sont proches de la trentaine, hein, des seniors qui sont plus proches de la soixantaine hein, pour certains, hein, donc, et en tout cas au-delà de 50 ans. Et donc, il va y avoir beaucoup d'approches aussi d'enrichissement par rapport à ça. Donc, c'est un élément important, cette diversité. On a aussi, de temps en temps, on fait quelques éléments en partage avec des promotions qui sont à Abidjan. Donc, on essaie d'avoir une diversité qui permette d'enrichir, hein, de travailler en équipe. Et puis, la dernière chose, c'est le comportement entrepreneurial. Hein. Donc, la baseline d'HEC, c'est apprendre à oser. J'ai vu une question en disant quel est le retour sur investissement. Bah, retour sur investissement, ça dépend de ce que vous appelez l'investissement. L'investissement, c'est vous. Hein, c'est vous, vous investissez en vous, dans votre capital humain. Donc, ça dépend de ce que vous cherchez à l'intérieur. Ce qui est clair, c'est que dans l'entretien initial, c'est ce qu'on va regarder. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce programme peut vous apporter, hein. Pour certains, ça peut l'idée d'évoluer dans un grand groupe et d'avoir une reconnaissance qui permet d'évoluer. Pour plus de responsabilités, plus de rémunération, mais non seulement pour vous, hein, parce que le retour de cet investissement, il n'est pas simplement pour vous, il est pour l'entreprise dans laquelle vous allez être. Hein. On va avoir un certain nombre aussi de chefs d'entreprise qui se posent des questions évidemment pour eux, mais des questions aussi par rapport à leurs collaborateurs, comment les faire grandir. Hein. Donc, ça aussi, c'est un retour. Donc, ce retour d'investissement, il n'est pas à voir uniquement au niveau j'investis, quel est mon upgrade au niveau salarial, évidemment, il peut en avoir un, mais c'est de voir. Qu'est-ce que ça va vous donner par rapport à ce que vous, vous appelez la création de valeur ? On peut avoir également des personnes où il y a des reprises d'entreprises, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé dans des PME ou dans des entreprises et qui font partie des personnes qui sont aptes à reprendre l'entreprise demain. Et donc, ça va la préparer à ça. D'accord ? Donc, c'est vraiment des éléments. On a des gens qui sont dans les startups financières, qui après passent dans l'humanitaire. Donc, on peut avoir des sauts transversaux et autres. La question, c'est vraiment votre sujet à vous. Donc, si pour répondre à la question du retour sur investissement, la première question que vous devez vous poser, c'est en quoi je veux investir sur moi et qu'est-ce qu'est le retour ? C'est un voyage pédagogique, ce n'est pas un produit que vous consommez. Puisque le produit le plus important, c'est comment vous allez voyager pendant un an et demi avec nous et en quoi ça va vous aider dans votre projet personnel et professionnel. Donc, le retour sur investissement, c'est votre capital humain à vous. C'est ça un élément, alors ça on reverra souvent dans la méthode pédagogique, mais on est là pour vous accompagner dans ce voyage. Alors, pour reprendre la structure, et on va essayer de détailler la structure hein, par rapport à ça, on a donc le tronc commun donc, qui est sur la transversalité. On a un deuxième certificat, et on va revenir, hein, chacun je vais les détailler, un deuxième certificat qui est sur le pilotage de la stratégie de sa business unit. Donc le premier, c'est vraiment définir la stratégie de sa business unit. Alors, c'est passionnant intellectuellement, il y a plein d'outils, on apprend plein de choses. Sauf que dans 75% des cas, les échecs dans les entreprises ne sont pas liés à une mauvaise définition de la stratégie, mais à une mauvaise exécution de la stratégie. Donc, le deuxième certificat, on va plus aller dans la mine, c'est comment vous pilotez la mise en place de la stratégie de votre entreprise. Que ce soit le pilotage de la performance, la gestion des écarts, comment on transmet ça. Voilà, donc là, c'est le deuxième certificat. Le troisième certificat, il est plus sur vous en tant que dirigeant. C'est quel est l'art de diriger ? On est dirigeant, OK, ça veut dire quoi être dirigeant ? Pourquoi on est dirigeant d'ailleurs ? Quelle est la question ? Quelle est notre finalité propre ? En soi,
Qu'est-ce que ça veut dire être dirigeant? Pourquoi on a envie de faire ça? Tout le monde n'a pas envie de diriger une entreprise, hein, c'est beaucoup de responsabilités. Donc, pourquoi on a envie de le faire? Et puis, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter aux autres? En quoi je dirige pour moi et pour les autres? Tout ce qui est entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est entreprendre aujourd'hui? Et donc là, on va s'appuyer sur tout ce qu'on a appelé il y a 20 ans la nouvelle économie, hein, qui maintenant est l'économie mainstream, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'innovation? Pourquoi on est dans une économie qui innove de plus en plus? Mais si on innove de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de taux d'échec, donc comment on est résilient par rapport à ce taux d'échec? Comment on gère le capital risque? Comment on gère des partenaires? Comment on gère des actionnaires? Comment on gère des concurrents qui n'ont pas notre track record, qui n'ont pas de passé, et pourtant qui attirent plus de confiance d'investisseurs et qui sont plus riches que nous, puisqu'on est face à des startups qui souvent sont plus puissantes, hein, que l'on est soi-même. Donc, comment ça fonctionne? Donc là, on a un module sur les nouvelles donnes de l'entrepreneuriat. Et puis après, sur l'art d'entreprendre et de diriger. En tant que dirigeant, on est pris sur beaucoup d'injonctions paradoxales. Hein, on nous demande à chaque fois d'être un peu tout. Et en particulier, la grande injonction paradoxale qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut être agile. On est dans un environnement volatile, on vient de vivre avec la Covid. Et en même temps, le capital va uniquement et principalement aujourd'hui vers des personnes qui ont des visions, c'est-à-dire qui sont capables d'écrire le futur. Et on voit bien que de plus en plus, les valorisations des entreprises ne sont pas forcément faites sur leur track record passé, mais sur leur capacité d'écrire les histoires de demain. Donc, comment on fait? Donc, on est dans un monde qui est extrêmement volatile, sur lequel il faut être extrêmement agile, pour construire également des visions de long terme, pour avoir la confiance des investisseurs, de nos collaborateurs, de nos clients, pour leur expliquer qu'on est là demain avec une vision basée, solide, sur du long terme. Donc, ça, c'est l'approche qui est enjeu et perspective. Ce que je vous propose, c'est de détailler un peu chacun des modules. Et puis, je vais laisser la parole à Marc et à Didier, puisqu'ils les ont expérimentés, donc ils vont être plus à même d'en parler. Le premier qui définirait mettre en place la stratégie de sa business unit, donc qui est le tronc commun, c'est l'endroit où vous serez avec les autres majeurs. Hein, donc vous serez avec, si vous êtes dans une logique plutôt dirigeant, vous serez avec des financiers, des gens qui sont plutôt sur la croissance, des gens qui sont plutôt sur le change, la sustainability, ou plutôt opérationnel. Et donc là, c'est vraiment de partager tout ce qui est sur le comité de direction. Hein, donc, on va avoir la partie financière. Alors, Didier était directeur financier, donc il était plus à l'aise là-dessus, mais certains n'ont pas fait de finance. Et si je suis dirigeant, bah, je dois comprendre bien toute la partie financière. Hein. La partie financière, c'est ce qui me permet de monter une stratégie et ce qui vérifie que ma stratégie est bonne ou pas dans sa création de valeur. Donc, il faut bien maîtriser tout ce qui est finance entreprise. Il faut bien maîtriser, évidemment, tout ce qui est la top line, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la proposition de valeur que l'on crée auprès de nos clients, qu'ils soient en B2C ou en B2B. Il faut qu'on maîtrise tout ce qui est supply chain, comment on organise l'architecture de valeur. Et évidemment, il faut qu'on maîtrise tout ce qui est capital humain, RH, tout ce qui est négociation. Et puis, un point qui est de la responsabilité du dirigeant, qui est la stratégie. La stratégie de sa business, comment on établit cette stratégie et comment on partage et comment on établit ces stratégies collectivement avec les autres membres du comité de direction. Donc ça, c'est vraiment la part de ces trois premiers modules, finance, marketing and sales, stratégie, supply chain, RH, un langage commun toujours articulé sur la notion de création de valeur. Je sais pas, Marc, Didier, vous voulez dire un mot de ce premier certificat? Je rebondis moi sur ton propos, Christopher, justement, sur qui me touche sur la partie financière. Et justement, c'est très intéressant parce que, en effet, sur la partie financière, alors déjà, bien qu'étant peut-être chacun son domaine de prédilection, ben, on apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai réappris bon nombre de savoirs et complété des compétences. Et lorsqu'on est sorti de ce spectre-là et qu'on a attaqué la stratégie, le marketing et d'autres matières, ben là, j'ai été beaucoup plus à la peine. Hein, l'esprit groupe, les camarades, les études de cas où on est plusieurs m'ont également aidé sur ces modules et ces cours qui n'étaient pas forcément, justement, me concernant, peut-être les plus simples. Donc voilà, c'était pour compléter l'esprit. L'esprit d'équipe, les études de cas et chacun ses domaines de prédilection. Donc, on apprend beaucoup de choses et on prend de la hauteur sur les sujets. Moi, ce que j'ai vécu par le biais de ce module, c'est une véritable remise au centre de l'entreprise et de ses enjeux. Pour quelqu'un comme moi qui a plus un passif d'ingénieur,
On va dire que c'était très important et très enrichissant. Alors évidemment, il faut qu'il y ait une sorte de, faut qu'il y ait une curiosité à côté, hein, sinon ça peut être un peu compliqué. Mais notamment donc toute la notion de démarche stratégique qui est bon, quand on n'est pas un génie, il faut un peu de méthode, etc. Et donc là HEC nous l'apporte et c'est bien pratique et c'est très très intéressant. Effectivement, la finance c'était pas ma base, mais j'avais quelques notions et c'était très intéressant de pratiquer ça avec de vrais experts et de vrais cas concrets et de pouvoir échanger, apprendre ensemble en fait. Donc voilà, je trouve que ce premier module, il a cet intérêt-là, c'est de nous mettre en appétit sur un certain nombre de choses qui relèvent justement de la direction de business unit, et après qu'il va falloir pratiquer et tirer sur toute la suite du programme et avec l'aide des camarades qui ont beaucoup de choses à nous partager sur tous ces sujets. Alors, il y a un point aussi qui est important, hein, c'est… on parle beaucoup de management agile, hein, donc la capacité justement de pouvoir avoir une approche transverse. Pour avoir un management agile, ce n'est pas simplement des mots, c'est-à-dire qu'il faut comprendre les uns les autres. C'est-à-dire qu'il faut, ce que Didier dit, ce que Marc dit, c'est-à-dire que si je parle avec un financier, il faut que je comprenne leur concept. Je parle avec un marketing, je comprends. On n'est plus dans les organisations tayloristes, grandes organisations, où il y avait des spécialistes et des experts. Dès qu'ils parlaient, il n'y avait qu'eux qui se comprenaient quasiment. Et chacun était spécialiste de son domaine. Ça veut dire qu'il faut, dans un business, pouvoir partager la même compréhension de la stratégie, la même compréhension de ce qu'est la création de valeur. Et donc, ça demande un effort. Hein. Donc, ce tronc commun, ça va vous demander du travail. Hein. Alors, du travail, je prends l'exemple de Didier sur la partie financière. Sur la partie financière, je suis sûr que Didier forcément a appris des aspects techniques, il les maîtrisait parfaitement. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être marqué, c'est comment je partage avec des gens qui ne connaissent pas. C'est-à-dire comment la finance peut être utilisée par quelqu'un qui fait du marketing, pour quelqu'un qui fait de la stratégie. Et comment, de la même façon, quelqu'un qui fait de la stratégie ou du marketing va utiliser la partie financière. Donc, c'est beaucoup l'aspect de communiquer au sein d'un comité de direction nos expertises pour justement gagner en agilité. Donc, on n'est pas une logique d'être multi-expert. L'objet, ce n'est pas de devenir directeur financier, directeur marketing et autres. Mais c'est d'avoir le bagage intellectuel nécessaire qui demande un effort parce que mon jargon, je suis prof de marketing, lorsque je commence mon cours de marketing, je perds au début du monde parce que je jargonne, donc je fais attention pour que chacun puisse bien comprendre où est la création de valeur, donc rendre les choses compliquées simples pour pouvoir échanger et gagner en agilité et donc avoir des comités de direction où on partage mieux pour la création de valeur collective. Donc, c'est un point, si vous voulez, même si vous n'avez par exemple pas fait de finance, il est hors de question que vous sortiez du certificat en se disant « c'est pas pour moi ». Ce n'est pas vous qui allez déterminer les ratios, ce n'est pas vous qui allez faire les comptes. Mais par contre, si le directeur financier discute avec vous, il faut que ce soit transparent pour vous. On ne peut pas se faire enfumer sur la partie financière. Idem sur la partie marketing. D'accord ? Donc, il n'y en a pas un qui prédomine, mais c'est vraiment un aspect de transversalité. Et c'est l'objectif de ce premier certificat. Le deuxième certificat, on va donc, une fois qu'on est intelligent collectivement et qu'on décide une stratégie, c'est la mise en place. Et donc, on va le mettre en place. Et donc là, on va avoir plusieurs modules. Le premier, on va passer à un rythme un peu plus fort au niveau du rythme de travail et travail en équipe, qui est un module sur le pilotage de la performance. Alors, pilotage de la performance, ça ne veut pas dire contrôle de gestion uniquement mécanique. Ça veut dire, je suis dirigeant, je mets en place ma stratégie, j'ai des écarts. Comment je gère ces écarts? J'ai des délégations à faire. Comment je partage mes objectifs? Quel tableau de bord je mets en place? Quels sont les indicateurs clés de performance que je mets en place? Est-ce que j'ai un problème de performance? Est-ce que j'ai un problème RH? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je dois sous-traiter? Est-ce que je dois faire ça en propre? Donc, ce sont des éléments extrêmement pratiques dans la mise en place sur lesquels on va vous mettre un peu en tension. Donc, ça, c'est un module où on est vraiment dans l'exécution et le pilotage de la performance au sein de l'entreprise. Le module 2, on est plus sur un enrichissement intellectuel, c'est-à-dire que par rapport à vos stratégies dans votre entreprise ou vos projets personnels, il y a peut-être des thèmes que vous voulez approfondir. Je vais revenir dessus. C'est ce qu'on appelle des électifs. Donc, il y a deux thématiques qui sont des mini-modules de 2 jours que vous choisissez. Alors, ça peut être l'intelligence artificielle, le big data, ça peut être les stratégies digitales, ça peut être l'omnicanalité, ça peut être l'éthique et la compliance, le management des talents, c'est quoi la guerre des talents, qu'est-ce que ça veut dire manager des talents? Quelle différence entre talent et haut potentiel? Ça peut être l'innovation collaborative et l'intelligence collective.
le management à distance. Ce sont des thèmes, en fait, qui sont importants pour la stratégie que l'on veut mettre en place et sur lequel vous avez envie d'approfondir. Ça, c'est le module 2 de ce certificat. Le troisième, il est constitué de deux volets. Un premier volet qui est un rappel de ce qu'est un business model et comment on pilote une entreprise par le business model. Et puis après, c'est une mise en situation. C'est vous allez vous-même diriger une entreprise en équipe face à d'autres équipes. C'est ce qu'on appelle un serious game ou un business game, c'est-à-dire que vous avez une simulation. Alors, dans les serious games, vous jouez contre les algorithmes. Là, vous jouez, il y a un algorithme, évidemment, dans le business game, mais vous allez être en interaction avec les autres. Donc, il y a plusieurs choses qui vont jouer. Comment vous allez prendre des décisions au sein d'une équipe? Alors, au début, vous allez fixer une stratégie, mais vous verrez, vous allez un certain nombre d'années sur lesquelles le business game a lieu. Donc, par rapport à la stratégie initiale et les aléas et ce qu'ont fait vos concurrents, c'est-à-dire les autres équipes, est-ce qu'on maintient sa stratégie? Est-ce qu'on la change? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça permet de voir la différence entre la définition de la stratégie, où est-ce qu'on veut aller et comment on l'exécute avec les aléas d'un milieu concurrentiel. Donc, comment vous prenez les décisions? Et donc, vous êtes sur des équipes, 5-6 personnes. Donc, comment collectivement on prend la décision? Est-ce qu'on met tout ça au niveau démocratique? Est-ce qu'on délègue? Donc, on va retrouver des aspects usuels qu'on a dans une entreprise, dans un comité de direction, parce qu'on va être pris par le temps. Et puis après, comment on réagit par rapport aux concurrents, c'est-à-dire aux autres équipes constituées par vos camarades? Voilà, donc ça, c'est une vraie mise en pratique. Et on termine ça par un conseil d'administration où, en tant qu'équipe dirigeante, vous allez partager les résultats sur les 3 ans du jeu ou 7 ans, ça dépend des jeux, auprès de vos actionnaires et de votre conseil d'administration. Marc, Didier, sur ces 3 modules, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager ? Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, des stratégies, il y en a plein les placards. Souvent, ce qui pêche derrière, c'est l'exécution pour tout un tas de raisons. Parce qu'on passe de la théorie à la pratique et ça met en jeu des notions de travail d'équipe, de décision, de courage managérial, tout un tas de choses qui relèvent d'autres difficultés. Et effectivement, durant ces 3 modules, on a eu quand même des éclairages ou des approches qui aident à se confronter à ça, qui sont très importants. Notamment, combbien comprendre la concurrence, la segmentation, toutes ces sortes de choses. Et puis, surtout, je trouvais aussi moi une forme d'agilité, c'est-à-dire que on a un peu l'idée préconçue qu'une stratégie, on décide quelque chose, ça va durer 5 ans, et puis on est sur des rails. Mais la stratégie elle doit évoluer. Donc, il faut accepter d'avancer, de se tromper, de bifurquer, etc. Et de gérer l'accompagnement qui va avec et tout ce pilotage, justement, de l'incertitude. Il faut à la fois avoir en permanence une stratégie et en permanence accepter qu'elles doivent changer, qu'il faut s'adapter. Et je pense que ça, c'est vraiment, personnellement, ce n'est pas une vision des choses que j'avais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de le vivre en permanence et ça m'a beaucoup aidé. Oui, pour moi, ça a été également cela. En zoomant un petit peu sur les électifs d'approfondissement, mais c'est vraiment l'occasion d'aller piocher sur un panel d'électifs proposés. Mais après, voilà. Donc, c'est intéressant de pouvoir zoomer sur un sujet qui peut nous intéresser. Sur les 2 autres, piloter la performance, on en a parlé. Moi, ça m'a permis aussi d'avoir la façon d'aborder les sujets pour discuter avec des camarades ou résoudre des problématiques où il faut que l'on se comprenne. Donc, c'est une lecture de l'information et ça m'a aidé à titre personnel. Et enfin, le business game. Là, moi, ce qui me vient en tête, c'est l'intelligence collective. C'est de voir, parce que c'est des business games, j'en ai connu par le passé, il y a quelques années, rien à voir aujourd'hui, c'est d'un très, très haut niveau. C'est pas un jeu, c'est une vraie entreprise, pour le coup fictive, mais que l'on accompagne sur plusieurs exercices. Christopher, tu parlais de nous mettre en tension. Oui, je me rappelle quelques nocturnes à travailler
les hypothèses et les scénarios. Donc, chacun venant avec ses idées, donc partage, prendre de la hauteur. Et c'est vraiment très, très intéressant d'être plusieurs à travailler sur les sujets. Voilà, puis bah, les électifs, je vois que le slide est apparu. Voilà. Voilà, donc c'était reprendre un peu les électifs, sachant que là, par exemple, on a rajouté un aspect sur l'excellence commerciale. On essaie de voir après, avec chaque promotion, s'il y a des thèmes. Donc, on fait évoluer l'offre en fonction des thèmes. C'est en fonction de quelles sont vos stratégies aujourd'hui et quels sont les points dans votre stratégie que vous voulez approfondir. Bon, il y en a un, par exemple, qui résiste beaucoup au changement, c'est conduite du changement. C'est-à-dire que ça, c'est un thème qui est assez récurrent. Alors, le dernier certificat, il est plus donc, sur vous. Hein, donc, c'est l'art de diriger et d'entreprendre. Hein, je l'ai un peu évoqué au démarrage. On a trois modules. L'un qui est développer l'esprit entrepreneurial au sein de son entreprise. Et donc là, on va s'appuyer sur toute la nouvelle économie. Alors souvent, dans une promotion, on va avoir des gens qui ont peut-être déjà fondé leur start-up, donc des business plus qui sont la nouvelle économie. Donc là, pour eux, ils vont approfondir des choses qu'ils connaissent. Et puis d'autres qui sont peut-être plus dans une économie traditionnelle, qui ont des concurrents qui viennent d'ailleurs et donc qui doivent comprendre le fonctionnement du capital risque, le fonctionnement d'innovation, le fonctionnement de business model generation, de tous les outils qui sont utilisés pour comprendre en quoi intégrer l'innovation. Et donc, on prend non seulement le mot innover, parce que l'idée, ce n'est pas de vous faire un module en disant innover, innover, et que vous rentrez chez vous et qu'on vous dit bah, les bits à varier de 0,5%, ça ne va pas, hein, donc tu oublies ton innovation. L'idée, c'est bien de comprendre quelles sont les conséquences de l'innovation sur le modèle économique et comment on le maîtrise et comment on le finance hein, par rapport à ça. Donc, c'est vraiment un module qui est fort et la plupart du temps, on va partir sur certains projets hein, de participants et on va mettre ces projets-là à la moulinette d'outils qu'on utilise dans le monde des startups. Le module 2, donc encore une fois, on est sur leadership ou l'art de diriger. Donc là, vous verrez, on va moins travailler sur l'analytique. On va plus travailler sur les finalités, on va plus travailler sur l'émotion, on va plus travailler sur le corps également. Et donc, c'est le seul module qui est totalement en résidentiel. Donc là, on vous prend du lundi midi jusqu'au vendredi midi en résidentiel, voilà, qui est un élément où se poser des questions de leadership. Alors là, on verra qu'il y a des questions d'âge, hein, de génération. On ne se pose pas forcément les mêmes questions, est-ce qu'on a 30 ans, 40 ans, 45 ans. Bon. Il y a des aspects en fonction aussi de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que ça veut dire. On a fait beaucoup ont travaillé, parce qu'on a plus des belles carrières hein, à l'intérieur des promotions. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? Quels arbitrages on a fait? Comment on a équilibré du personnel, du professionnel? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va reposer des questions qui sont capitales, non seulement pour soi encore, mais aussi, évidemment, pour nos collaborateurs, hein, parce qu'il faut qu'on soit clair sur notre leadership pour être clair par rapport à nos collaborateurs. Et finalement, enjeux et perspectives, où là, on va ouvrir beaucoup, hein, à la fois au niveau géopolitique, au niveau de l'innovation, au niveau de la transition énergétique, au niveau de la RSE, au niveau des nouvelles formes d'entreprises que l'on peut avoir, géopolitique, sur la Chine, sur l'urbanisation. Donc, on va prendre des thèmes qui sont des thèmes qui ont des impacts sur du long terme, hein, sur lesquels on va pouvoir construire des visions. Marc, Didier, si vous voulez échanger dessus. Oui, dans cette partie-là, il y a eu un certain nombre d'éclairages très intéressants, donc dans l'ordre ou dans le désordre, mais au niveau du leadership, on a quand même en groupe vécu des moments très, très intenses. Et c'est un voyage vers soi-même. Et évidemment, c'est un élément extrêmement important de ce que doit constituer votre projet pour la suite, c'est-à-dire de se mettre face au miroir et d'être capable de confronter sa propre personne par rapport à son propre projet ou par rapport aux autres et de ne pas peut-être rester dans de mauvaises illusions ou de se conforter dans les bonnes directions. L'entrepreneuriat, personnellement, ce n'était pas mon projet, mais j'ai trouvé qu'il y avait de nombreuses clés qui étaient proposées et probablement que ça a conforté certains dans leur projet entrepreneurial et ça en a peut-être dissuadé d'autres pour de bonnes raisons. Mais c'est quelque chose qui s'étudie et qui est très important, surtout qu'en général, dans les promos j'aime, il y a un certain nombre de personnes qui ont un projet entrepreneurial. Donc, c'est vraiment un apport très intéressant. Et puis, ben, tout ce qui va avec
les réflexions autour de business model, de finance, etc., qu'on a tendance à travailler en groupe sur la base de projets que peuvent avoir certains. Pour l'avoir vécu, ceux qui se soumettaient à l'exercice étaient vraiment secoués dans leur... Dans leur projet, ça leur a ouvert probablement des réflexions et aussi peut-être éviter de faire certaines erreurs. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très important dans ce cadre-là. Donc, c'était vraiment très, très bien. Oui, mais comme toi, moi, Marc, le module développer l'esprit entrepreneurial, il donne une ouverture justement sur... sur les startups. Je me rappelle avoir eu un intervenant qui détient un fonds d'investissement, les startups, les nouvelles technologies. C'est très intéressant, ça donne un spectre plus large. Le module leadership, pour moi, si ce n'est le module peut-être le plus fort, en tout cas, il est parmi les plus forts, si j'en notais un. Parce qu'en effet, on travaille sur le soi et c'est finalement le plus compliqué parce qu'il n'y a pas de, on ne vient pas chercher de recettes hein, chez HEC, on vient chercher de l'ouverture, une vraie dimension managériale et stratégique que l'on peut apporter à l'entreprise. Et ben là, c'est vraiment pourquoi on fait tout ça, quelles sont les finalités de chacun dans le programme et au-delà du programme, hein, quelle dimension on veut donner à la suite de sa carrière professionnelle, puisque tu disais, Christopher, que la moyenne d'âge était à 39 ans. Donc, bon, même si certains sont plus jeunes, plus juniors, mais on va dire qu'on a minima 10-15 ans de pratique managériale et autour de 40 ans, ben, on fait un petit bilan, donc on peut se poser des questions. Ben, le module leadership travaille beaucoup sur ça, évidemment tourné entreprise, mais au-delà. Et enfin, les enjeux et perspectives, ben, ça finit le voyage, je trouve, avant de s'atteler à la thèse, mais ça finit le voyage avec justement l'ouverture et une fin dynamique et trois petits points. Et je trouve très bien aussi. Alors, juste hein, comme il y a eu des questions hein, sur le MBA GM que c'est revenu avec Renaud, avant de parler du stage GN, il faut regarder d'abord les programmes. Hein. Moi, je vais vous présenter le programme GEM Major Strategic Management, hein, qui est l'évolution du MUST. Donc là, il faut déjà voir le programme si ça vous convient. Alors, c'est un programme, lui, cette majeure, elle est très orientée business. Hein. Elle est peut-être moins corporate, siège de grands groupes. On est vraiment plutôt dans une logique, c'est mon business, hein, c'est l'entreprise que je dirige. On est plus patron de filiale hein, que dirigeant ou... membres au niveau du siège hein, d'état-major. Hein, donc, on est plutôt, si je prends une analogie militaire, puisqu'on parle du GIGN, on est plutôt sur une formation de type colonel, c'est-à-dire chef de bataillon, c'est-à-dire qu'on a à diriger des hommes et être dans l'opérationnel, plutôt qu'officier d'état-major. Alors, dans le MBA, il y a plusieurs choses aussi, hein, mais c'est-à-dire pour grossir. Voilà. Et donc, du coup, souvent, on a probablement dans les participants, plus de participants qui ont qui sont patrons d'entreprises et peut-être des entreprises de taille un peu plus petite, donc des PME, des ETI, des logiques de succession d'entreprises. Donc, on va être plus dans du business et un peu moins dans des logiques corporate. Voilà. Donc, si votre objectif est plus d'être sur des états-majors de grands groupes internationaux, peut-être que le MBA est plus adapté. Si vous êtes plus dans une logique de diriger une entreprise, un pays, une filiale, un business, peut-être que le GEM est plus adapté. Le GEM, Strategic Management, on est vraiment dans une logique direction d'entreprise. Après, vous allez avoir le GEM Finance qui, lui, sera plutôt sur une fonction de direction financière hein, par rapport à ça. Et le GEM Marketing, Sales and Business Development qui, c'est plutôt dans une logique de croissance. Mais disons que dans le programme GEM, il faut vraiment que vous déterminiez quel est votre projet professionnel et personnel. Et on est là pour vous accompagner par rapport à ce projet dans une logique assez business. Je ne sais pas si j'ai répondu, hein, Renaud, mais c'est un élément. La langue est essentiellement le français, hein, donc l'enseignement est en français. Vous êtes censé, évidemment, de lire l'anglais. Alors, de temps en temps, pour le début peut piquer un peu, parce qu'il va y avoir un certain nombre de cas hein, qui sont en anglais qu'il faudra traiter.
Non, mais vous allez vous aider entre vous hein, par rapport à ça. Mais la langue sur le GEM, en tout cas Strategic Management, est français. Sur Change and Sustainability, par exemple, elle est bilingue parce qu'il y a un des certificats qui est en anglais. Donc ça, vous pouvez regarder. Alors, le stage GIGN, c'est optionnel. Hein, donc ça, c'est vous décidez de le faire ou pas. Je vous invite fortement à le faire. Alors, on va un peu plus loin que le leadership, c'est un peu différent. On a l'avantage d'avoir des accords avec le ministère de la Défense et en particulier avec la Gendarmerie nationale. La contrepartie de cet accord, c'est qu'on a le plaisir à chaque fois d'avoir dans les participants un officier de la gendarmerie avec nous, hein, souvent un colonel ou un lieutenant-colonel, qui va être membre et suivre le cursus. Et donc, on a la possibilité de faire un stage. Alors, le stage a lieu à l'endroit même où sont formées les personnes du GIGN. Hein. Donc, on est en fait, on va travailler sur les ateliers de formation du GIGN. Évidemment, on ne va pas vous demander les mêmes performances physiques que les personnes qui sont recrutées dans le GIGN. Par contre, on va vous mettre un peu dans de l'inconfort au niveau du stress. On va vous mettre des défis et on va voir comment collectivement vous allez relever ces défis. Alors, la question, évidemment, ce n'est pas de déterminer si vous êtes potentiellement membre d'un corps d'élite demain. Bon, moyenne d'âge 39 ans, donc pour plus tard, c'est un peu tard de toute façon. Mais surtout, c'est qu'on va regarder votre comportemental. Comment vous travaillez dans un groupe, comment vous gérez dans un groupe, dans un stress. Et on s'aperçoit, hein, et la personne d'ailleurs qui est un ancien participant du MUST, hein, qui s'occupe de la formation GIGN, monte une entreprise sur cette thématique, c'est qu'on s'aperçoit dans les entreprises qu'on travaille beaucoup sur l'analytique, qu'on travaille de temps en temps sur les émotions, mais que sur le comportemental, on peut être défaillant. Et donc, comment on fonctionne dans une entreprise qui est sous stress, comme on l'a été avec la COVID, comme on l'est lorsqu'il y a des transformations qui, de temps en temps, sont violentes et difficiles, ben comment on maintient une équipe? Quel est notre sens de responsabilité? Comment on fait que les équipes se dépassent? Alors, c'est facile de le dire au niveau intellectuel, c'est facile de le mettre à travers des outils, mais lorsque vous êtes engagé totalement dans une expérience, corps inclus, hein, parce que là, du coup, on va solliciter votre corps aussi un peu, alors, sans avoir besoin d'être grand sportif. Moi, je l'ai fait, je ne suis pas sportif, hein, donc c'est faisable. Mais lorsqu'on va solliciter le froid, le stress, comment vous allez collectivement inclure, enfin, mettre un leadership qui fait que le groupe va se dépasser? Vous allez vous dépasser, vous allez faire des choses que vous ne pensez pas être capable de faire. D'accord? Et le groupe va faire des choses dont il n'est pas capable de faire. Et vous verrez qu'en fonction des ateliers, certains vont prendre le leadership. Certains, à un moment, peut-être, qui sont moins physiques et donc vont être portés par le groupe et à faire des performances qu'ils ne pensaient pas être capables de faire. Et en revanche, sur des exercices où c'est plus mental, on peut être là, du coup, être leader et aider d'autres à franchir des barrières mentales qui s'étaient mises voilà, à faire. Et donc, c'est une expérience souvent très enrichissante. Et puis, il y a aussi une chose qui est très enrichissante dans ce stage, c'est la formidable qualité des instructeurs du GIGN qui sont justement, et donc on voit la conséquence de ces formations, la plupart des gens, la plupart du temps, excusez-moi, des gens exceptionnels. Je ne sais pas, Marc Didier, vous en dire un mot? Oui, effectivement, pour moi, c'était une expérience extrêmement intéressante dans le sens où, au-delà de l'exploit physique, entre guillemets, à certains moments, on peut se voir sur des épreuves au bord du renoncement et se dire, bon, OK, quel est l'enjeu, j'y vais pas, etc. Et finalement, on se sent poussé par la force du groupe. Et il y a quelque chose qui se déclenche qui est très enrichissant. Et je dirais que dans le groupe auquel j'ai participé, finalement, bon, il y avait des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, des sportifs, non sportifs, etc. Et tout le monde a tout fait. Et j'avoue que j'étais bluffé dans le sens où je pense que la différence, c'est effectivement le fait qu'on soit en groupe, qu'on se dise on y arrive tous, d'ailleurs c'est la seule option, on y arrive tous. Et ça s'est passé exactement comme ça. Et franchement, avant de le faire, je n'aurais pas cru une seconde. Ça a été vraiment une révélation. Et puis, ça a soudé les personnes. Donc, c'est vraiment une option. C'est une option, mais faites-le. Quoi. Voilà, faites-le, c'est génial. Oui, expérience extraordinaire, exceptionnelle. Et tout ce qui se passe sur le site du GIGN reste au GIGN. Voilà.
Alors, expérience extraordinaire, il y en a une autre expérience extraordinaire qui est un peu plus douloureuse pour le coup. Là, pas physiquement, mais c'est la thèse professionnelle. Hein. Donc, la thèse professionnelle, c'est ce qui va conclure le voyage. Alors, en début, on va essayer de déterminer un sujet ensemble. Alors, le sujet, c'est deux choses. Hein. C'est thèse, donc il faut avoir une problématique sur laquelle on va s'inspirer de tout ce qui est écrit. Et on verra qu'énormément de gens ont réfléchi. Donc, c'est une source d'enrichissement intellectuel extrêmement forte. Et puis aussi, on va benchmarker parce que d'autres personnes ont été confrontés au même problème que vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on va apprendre de ce qui s'est fait? Et puis, une partie professionnelle, c'est comment on l'applique à son propre projet professionnel. Donc, il y a une partie académique et pratique. C'est un travail individuel avec une rédaction écrite. Bon, c'est un objet qui va dire entre 50 et 70 pages qu'on va écrire. On reviendra longuement pour ceux qui entreront dans le programme sur ce qu'est une thèse professionnelle. Et après, on va faire une soutenance orale et on va partager ça devant un jury. Et on a la chance, pendant cette thèse professionnelle, d'avoir un tuteur qui est membre, qui est un expert ou un professeur intervenant au sein d'HEC Paris et qui donc va vous aider pour faire cette thèse. Alors, certains ont déjà fait des thèses, donc c'est un élément facile. D'autres, c'est plus difficile. Vous verrez qu'on a des profils très divers hein, à l'intérieur de... d'une promotion, je peux avoir des gens qui ont écrit deux PhD, hein, j'en ai un dans un physique nucléaire, et je peux avoir quelqu'un qui est autodidacte, qui a monté son entreprise et qui a besoin de la faire grandir, qui n'a jamais eu de diplôme et qui vient à HEC très impressionné et bon, qui va bosser, et pour qui écrire une thèse, c'est différent. Donc on a vraiment une diversité, mais chacun, on va traiter cette thèse. L'idée, c'est de vous amener bien sûr tous au diplôme à partir du moment où on commence. Voilà. Et après, la plupart du temps, si je dis ça un peu vulgairement, vous allez en chier un peu pour écrire. Mais après, il y a quand même une grande satisfaction à la fin. Et c'est un objet, franchement, qui a une vraie valeur. Hein, c'est pour ça que le choix du sujet est important, parce que il ne faut pas la galvauder, une thèse. Hein, il faut vraiment que ça vous serve, vous, dans votre projet personnel et professionnel. Didier, Marc, si vous voulez en dire... un mot. Exercice pour le moins complexe. Là, c'est expérience personnelle. Très encadré, et ça, c'est très bien. Hein, nos tuteurs nous suivent, nous aident à construire ce document. Moi, qu'est-ce que j'en retiens? S'agissant d'une thèse professionnelle, elle a trait à quelque chose que je pensais connaître et donc que j'avais plutôt tendance à résumer. Et là, il ne s'agit pas justement de résumer le sujet, mais d'aller plus loin et d'ouvrir. Et là où on a l'impression qu'on peut résumer une problématique peut-être en une page ou cinq pages, ben là, il s'agit d'aller plus loin, de creuser, de se servir de certains des outils fournis au long du voyage pendant cette année pour aller justement étoffer, donner une dimension à ce que l'on remet et qui est quand même, oui, un document qui est consultable par nos collègues, nos managers. C'est vraiment très intéressant, et quelle satisfaction quand on termine. Je ne vais pas cacher ma joie d'avoir terminé ce travail. C'est un aboutissement, c'est un des aboutissements du voyage. Oui, c'est vrai que la thèse en soi, c'est véritablement un voyage. On est vraiment au point de départ, on ne sait pas forcément où on va. Et puis, quand on conclut, il y a une sorte de d'évidence, si on a... bien, si on est arrivé là où on voulait. Moi, je dirais, pour avoir travaillé sur la stratégie de mon entreprise, mais finalement, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le développement d'un business ou quelque chose comme ça. Moi, ce que j'ai véritablement apprécié au final, c'est que on est obligé de sortir du quotidien. Donc, quand on est dans sa boîte, on est pris tout le temps, etc. Et là, d'y avoir consacré... beaucoup de temps, mais en même temps, c'est sur quasiment 18 mois, la densité reste raisonnable. On arrive à un résultat qui est complètement différent, et je pense que c'est une vraie difficulté
pour les chefs d'entreprise ou les directeurs de BU, c'est finalement d'avoir cette opportunité de mettre à plat la réflexion, qui en plus, une fois que c'est fait, c'est d'autant plus facile pour l'expliquer ou la répandre dans l'entreprise. Donc, pour ceux que ça concernerait, c'est-à-dire établir un projet de business ou quelque chose comme ça, de l'aborder sous le format d'une thèse professionnelle avec un tuteur et des apports pédagogiques comme ça, je dirais c'est quasiment une garantie de résultat et c'est vraiment quelque chose qu'il faut aborder comme ça à mon sens. Ok, alors dernier élément, on est sur un programme diplômant, hein, donc à la fin vous êtes diplômé et finalement la thèse montre bien hein, cette approche diplômante. Ça veut dire que chaque module est lié à une évaluation. Hein, donc chaque module en fait est équivalent de 5 ECTS, hein, donc qui est des nouvelles normes en fait européennes, hein, comme des UV, hein, des unités de valeur à l'époque. Donc vous avez 45 ECTS qui sont liés sur des évaluations sur les modules. Alors, les évaluations, ça peut être des cas individuels de synthèse qui sont demandés après le module, des équipes en cours de module, comme le business game par exemple, ou des devoirs personnels après le module. Alors, ces évaluations, en fait, c'est surtout vérifier l'appropriation, hein, puisque c'est un voyage. Donc, le voyage, ça veut dire encore une fois que le produit, c'est vous. Donc, ça veut dire que c'est l'appropriation, ce n'est pas la méthode qui est intéressante, ce n'est pas le contenu de ce qu'on donne, c'est qu'est-ce que vous en faites. Hein. Donc, ça, c'est pour vous aider sur l'appropriation. Et puis, il y a donc 30 ECTS sur la partie thèse professionnelle. Alors, sur le déroulement classique hein, d'un module, le module, c'est 4 jours. On est sur 16 mois, on commence en janvier, donc le 17 janvier. Il y a donc 9 modules jusqu'à décembre 2022. Au total, 350 heures de cours. On est de 8h30 à 12h30, 13h30 à 17h30. Alors, un élément clair, dès que vous êtes avec nous, vous êtes avec nous. Donc, la première chose qu'il faut faire lorsque vous faites ce type de programme, c'est être sûr que vous êtes à l'aise avec la délégation. Donc, il faut déléguer. Donc, ça, c'est un premier bon apprentissage hein, des dirigeants. Parce qu'il est hors de question que vous traitiez vos mails et vos problèmes opérationnels pendant la semaine. Enfin, c'est beaucoup trop riche, c'est un investissement qui est important, qui est cher et qui est pour vous. Et donc, il faut être pleinement là pour pouvoir recueillir cet investissement. Donc, ce sont des journées longues, hein, 8h30, 17h30. Après, il y a des conférences le soir, donc soutien méthodologique, atelier thèse, des conférences avec des invités d'HEC ou de la promotion. Et puis, on termine toujours sur les takeaways de la semaine, c'est-à-dire sur l'appropriation de ce qui a été vu la semaine. Didier disait de temps en temps, hein, sur des cas, il y avait également du travail le soir. On essaie de vous prévenir lorsque c'est le cas, par exemple sur le module 4, pour que vous puissiez vous organiser. Hein. L'idée, vous puissiez quand même vous organiser à titre personnel, hein, parce que c'est un voyage qui est assez exigeant hein, en termes de travail hein, pour vous. Et donc, il faut évidemment s'organiser dans sa vie personnelle hein, par rapport à ça. Christine, si tu veux reprendre sur peut-être le calendrier. Alors, les critères d'admission peut-être avant. Donc, il faut avoir une expérience professionnelle d'au moins 3 ans avec le statut de cadre et un diplôme de niveau Bac plus 4. Alors, bien sûr, hein, ce qui nous intéresse, c'est votre profil, votre expérience professionnelle avant votre diplôme. Donc, il y aura toujours des possibilités de faire des dérogations. Donc, même si vous n'avez pas un niveau Bac plus 4, on peut quand même voir étudier votre candidature. Donc, ça, c'est pour les critères. Alors, le processus d'admission, tout d'abord, un entretien avec un conseiller formation. Donc, pendant cet entretien, l'objectif, c'est d'évaluer si votre profil correspond bien au profil des autres participants, si vous avez un réel projet derrière. Ensuite, si c'est le cas, donc on vous envoie un dossier de candidature que vous allez remplir en ligne. Dans ce dossier, on va vous demander des informations sur vous, mais aussi des essais à rédiger qui témoignent de votre motivation et on vous demande vraiment d'être ambitieux dans vos projets. Une fois que votre dossier sera rempli à 100%, il sera transmis à Christopher, hein, le directeur académique du programme, qui va décider si vous êtes admissible ou non. Alors, être admissible, c'est-à-dire si vous allez pouvoir aller jusqu'à finir le processus. Donc, si vous êtes admissible,
vous serez convié à un comité de sélection. Donc, le comité de sélection, bien sûr, nous le faisons par Skype. Donc, il est composé le jury est composé de deux personnes, le directeur académique et un alumni. Pendant ce jury, on vous remet une étude de cas sur laquelle vous travaillez pendant une heure. Puis on vous pose des questions pour évaluer votre capacité à prendre des décisions, à présenter vos idées, à défendre vos idées. Ensuite, le jury passe à votre dossier, votre parcours, vos projets. Et puis le jury délibère et quelques jours après, on vous dit si oui ou non, vous pouvez intégrer le master. Donc, comme vous le voyez, il y a ce processus de candidature qui peut prendre un peu de temps, plus les discussions que vous allez avoir au sein de votre entreprise, au niveau de l'organisation, au niveau du financement. C'est pour ça qu'on vous conseille de le faire le plus rapidement possible. Donc, au niveau du calendrier, ça y est, là, nous lançons notre processus d'admission. Donc, vous pouvez poser votre candidature à partir de maintenant. Donc, je vous précise que le tarif du master est de 44 900 euros et la date de rentrée sera le 17 janvier 2022. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que dès demain, je vais tous vous envoyer un mail avec un lien vers mon agenda et vous pourrez prendre un créneau pour tout de suite avoir un entretien pour voir si ce programme vous correspond ou si c'est un autre programme, mais pour qu'on ait déjà un entretien préalable à votre candidature. Donc, de toute façon, je vais revenir vers vous tous avec la présentation que nous venons d'avoir et puis un lien vers mon agenda pour un rendez-vous, si vous le désirez. Voilà. Je vous précise aussi que nous allons avoir un événement de deux jours, les 29 et 30 juin prochains, où vous serez invités aussi également avec des présentations du master, du général Global Executive Master in Management, stratégique management, mais aussi les autres majeurs, avec des présentations, des interventions des différents directeurs académiques. Et voilà, donc vous recevrez l'invitation prochainement. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions ? Nous sommes encore à votre disposition si vous avez d'autres questions. Quoi, comme vous voyez, la formation évidemment se déroule sur le campus. Est-ce que vous avez des questions par rapport au programme ? Vous pouvez utiliser soit le chat, soit le question-réponse. Le campus, c'est Jouan-Josas. Donc, si vous êtes. L'ensemble a lieu à Jouan-Josas. Donc, après, pour les Parisiens, ça. C'est pas forcément super bien desservi, mais vous avez un hôtel à côté. Et c'est le campus. Donc, vous êtes avec l'ensemble des étudiants, les MBA, le MBA, la grande école, tous les masters. Donc, c'est essentiellement. Sur le campus, vous avez de temps en temps un module qui risque d'être au château du campus. Bon, voilà. Mais autrement, c'est vraiment dans le campus HEC à Jouan-Josas. Ce qui vous permet aussi de bénéficier de toute l'infrastructure du campus, la bibliothèque, les installations sportives, voilà, de notre beau campus à Jouan-Josas. Alors, sur la langue, encore une fois, la plupart des interventions sont en français. On peut avoir des conférences en anglais, surtout avec les invités. Ça, c'est. Mais au niveau académique, l'ensemble est en français. Je peux, en tant que directeur académique, si j'ai un invité ou autre qui ne parle pas anglais, le faire intervenir en anglais. En revanche, sur les cas, vous avez des cas en français, vous avez également des cas en anglais. Christine, sur le financement, si tu veux répondre. Oui, alors les possibilités de financement, donc je vous en parlerai lors de notre entretien. Vous avez des prêts préférentiels et puis nous avons aussi un conseiller, une personne qui est spécialisée dans tout ce qui est aide au financement des formations et avec qui je vous mets en relation pour bénéficier de points CPF ou de d'autres possibilités. Alors, sur les groupes, ça dépend des promotions.
Alors, dans les promotions, vous avez toujours deux catégories hein, dans un amphi. Vous avez des masters. Sur le master, on est globalement autour d'une trentaine. Hein, donc, ça peut être plus ou moins. Et puis, on a des gens qui vont uniquement faire le certificat, qui vont souvent d'ailleurs capitaliser après. C'est-à-dire que l'appétit vient en mangeant. On commence par le certificat. Donc, on fait ce certificat de 12 jours. Et après, à partir du moment où c'est évalué, on a la capacité de capitaliser. Qui était visé derrière, hein, donc de pouvoir rentrer dans un programme diplômé. Donc, il y a deux entrées, soit vous prenez le master en totalité, soit on commence dans le certificat, et on ne fait que le certificat sur une thématique qui vous intéresse, ou vous faites le certificat et après le master. Ce qui fait qu'en amphi, globalement, on va être entre 30 et 50 personnes selon les majeurs. Voilà. Plus petit 20 et au plus grand 50. Le premier certificat, comme il y aura l'ensemble des majeurs, sera ce qui est prévu, un certificat dédoublé, hein, c'est-à-dire qu'on mettra, on dédoublera pour s'assurer qu'on n'ait pas des salles de plus de 50-60 personnes de participants à l'intérieur. Les équipes, normalement, sont entre 5 et 7 personnes hein, pour travailler. L'idée étant d'avoir un élément de promotion et que vous connaissiez bien les uns par rapport aux autres. Et il y a évidemment beaucoup d'enrichissement entre vous, hein, encore une fois, dans les amphis. Donc là aussi, ça fait partie hein, des éléments lorsque je vous vois en jury de sélection, c'est de bien vérifier votre capacité à travailler en équipe. Sur les nationalités, on est plutôt sur une nationalité française que sur un programme français. Alors, on a beaucoup, après ça dépend, on peut avoir sur la partie Afrique de l'Ouest, et un peu moins maintenant qu'on a délocalisé à Abidjan, donc Ivoirien, Afrique francophone hein, pour beaucoup. Afrique du Nord, on a également le programme qui est à Nouméa, donc en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Mais c'est plutôt francophone. Après, vous allez avoir, là, en termes de nationalité, cette année, il y avait un Russe qui était anglophone, qui a fait son cursus en français. On peut avoir Suisse, Scandinave, Anglais. Mais on est en français. Niveau Bac plus 5, alors je ne me souviens plus quelles sont les équivalences. C'est un master certifié par la conférence des grandes écoles, qui est également RNCP. Donc ça, c'est important parce que c'est pour les financements hein, de formation professionnelle, hein, ce qui est à voir. Donc il est, alors je ne sais plus RNCP combien hein, de niveau, mais on doit être au niveau bac plus 5, je crois que c'est non. Oui. Voilà. On doit être niveau bac plus 5. Bon, ce n'est pas normalement le sujet, hein, puisque le sujet, c'est vraiment vous accompagner au niveau professionnel. Il peut y avoir des dérogations. Ça m'arrive périodiquement, vous aurez dans des amphis des autodidactes mais du coup qui ont réussi au niveau professionnel dans leur entreprise, donc on va avoir beaucoup de diversité hein, par rapport à ça. Les catégories pro les plus représentées, alors il y a vraiment tout hein, en termes de secteur, donc là on a vraiment une diversité. Les premières diversités, c'est est-ce que vous travaillez dans des boîtes qui sont à forte intensité capitalistique, type investissement, est-ce que vous êtes plutôt dans des boîtes opérationnelles, à forte intensité de main-d'œuvre, est-ce que vous êtes dans des grands groupes, des petits groupes, c'est ça qui va être la grande différence. Et après, on va avoir pas mal de background, des commerciaux qui veulent des directions générales, des opérationnels, des entrepreneurs. Par contre, il y a une chose qui vous réunit tous, c'est le projet de diriger, en tout cas sur la majeure Strategic Management, le projet de diriger ou une business unit, soit vous la dirigez déjà aujourd'hui et vous voulez la faire développer, soit vous avez le projet de diriger cette entreprise. Donc ça, c'est à chaque fois, on va vous prendre dans cette optique-là, hein, en tout cas sur la majeure Strategic Management. Alors, j'ai une question là, peut-être à briser. Est-ce bien une vision vers la réglementation française ? Alors, sur le contexte, on va avoir un contexte international. Les cas seront internationaux. Après, vous verrez, mais on ne va pas trop aborder les aspects réglementaires spécifiques à la législation française. Il n'y a pas de cours de droit hein, dans cette approche. Et sur les créations d'entreprises, on va plutôt travailler sur les business models. Les équations de valeur, on va moins travailler sur les démarches administratives.
Voilà. Par ailleurs, il y a également HEC, par rapport à un autre programme qui s'appelle Challenge Plus, qui accompagne aussi les créateurs d'entreprises. Donc, il y a plusieurs approches, mais on ne va pas trop être sur la partie réglementaire. On va être vraiment sur la partie business, de façon générale. OK, on a débordé largement. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je te laisse conclure, Christine. OK. Bon, bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions, moi, je vous propose de toute façon de revenir vers vous dès demain pour vous proposer un rendez-vous personnalisé. Encore merci d'avoir assisté à cette présentation et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.